française, la première victoire des Espoirs Mauves en 2024. On dès quelques instants, ça a l'air d'être le cas. Donc, petite rectification à ce niveau-là, vous l'avez compris, Arslan et Atteri côte à côte sur le front d'attaque avait déjà une position bien. Et d'autant que les RSA Futures n'ont pas encore gagné ici même au Stade Roi Baudouin. C'est tout de même à préciser. Attention ici, l'intervention plus que limite. Et finalement, la frappe. On est un peu dans le rectangle. Et avec un peu de réussite, De Cort qui parvient à passer là. Wilmots. Et finalement, ce ballon qui revient dans le... S'il séduit le staff du Noyau A, il pourrait peut-être donc par la suite intégrer l'équipe première. Ça, c'est un bon relais entre Brugman et l'OMBA. Le centre en retrait, la frappe de Nissen en un temps et l'intervention, la parade en jouée. Brugman lève la tête, il y a du monde en retrait. Il préfère jouer cela vers Nissen au deuxième. Directement cette rencontre en cours de semaine pour relever la tête et repartir de l'avant avec la sortie ici dans les airs. Ce sera en première zone. À nouveau, les points devant nous. Colassin qui se dégage tant bien que mal. L'OMBA, il peut tenter sa chance, effectivement. Ils ne sont pas nombreuses, hein, côté liégeois. On n'a pas remplacé Bertaccini. On n'a pas eu le temps de trouver un renfort digne de ce nom. Avec la frappe ici de Colassin. Ah si, c'est bien Colassin, de loin. Mouta Septaoui trouve l'intervalle ici avec De Cort. De Cort, la frappe enroulée, De Bati qui relâche, Goto et le but. L'ouverture de la marque et ça se sentait, hein, très honnêtement, je vous le disais. Liège subissait les assauts anderlectois. Liège reculait et n'en touchait pratiquement plus une. Et bien voilà, il a fallu une frappe. On revoit De Cort, on le laisse trop faire, hein, De Cort. De Bati, ballon difficile qui rebondit juste devant lui, le relâche. Goto intelligemment pour trouver Colassin ensuite. Et nouveau but pour Antoine Colassin, le capitaine qui permet à Anderlecht d'être devant. C'est très exactement le troisième but de Colassin en championnat cette saison. Mais que c'est bien joué de la part de Goto qui a la lucidité, l'intelligence de remettre. C'est peut-être moeilijk. RFC Liège, maar dit is wel een goede stiel van Arslan. Buitenom, goede actie van Arslan. Kan ver komen, achteruit leggen Cacho. Bal blijft hangen, nog niet voorbij, Dostilio. Tegen Bouf, Brugman. En het is de goal. Intussen de goal. Ik was samen met u even naar de herhaling aan het kijken. Dus we gaan straks ontdekken hoe die gelijkmaker valt. Eens kijken, inworp, Lumba. En dan zitten we bij Cacho, voorzet. Ja, die op een hele vreemde manier binnenwandelt, wampert. Beter iets te hard en te hoog dan een flauw pasje en balverlies. Lumba, geweldige bal op Nissen. Stevig dit. En bijzonder veel pijn. Toen ook onoordeelkundig. Zeker niet met opzet, maar gewoon te gevaarlijk. Dus hij zou wel eens lang verdwijnen van het voetbalveld. Colassin met de plaatsbal over de goal. C'est important, puisque le plus jeune joueur. Je vais m'arrêter parce qu'il y a une occasion là pour Brugman. Et Van Hout qui intervient. Voilà la première possibilité. Premier. Avec une certaine avance là, et qui se jouerait donc les premières places à la fois pour la montée et le tour final, alors qu'il y a une position de hors-jeu ici. Et on se rappellera aussi les plus anciens, parce que j'en ai parlé avec Pierre Drouguet en avant-match, je le dirai après parce que Nissen déboule côté droit. Nissen contré. Mouta Septaoui pour orienter le jeu, De Cort le contrôle est un peu long. Et ce ballon reste en faveur des Anderlechtois. Avec Mascio, le dédoublement. Monticelli, le centre. La reprise de Colassin, la retour. Le ballon qui traîne. Et finalement,
ainsi parce qu'il y avait des travaux dans, dans son stade. Une victoire qui avait offert le titre au rival, le Standard. Luemba à la fin de frappe. Wilmots pour Cassio. Il a le temps d'ajuster. Atterri Van Hout. Et de toute façon, il y avait une position d'orge. Le changement d'ailleurs en préparation. Mouta Septaoui vers Colassin. Il peut frapper de là. Ce n'est pas cadré. De défensie met heel sierlijke dribbles, met veel snelheid. Daarna te weinig van gezien van Turo Mendel. Hier zitten we bij Mouly. Buitenkantje voet richting Cachot. Plaatsbal op Van Houten. Nog eens kijken. Mouly, buitenkantje voet. Cachot kiest ervoor om met de binnenkant te trappen. En dat twee weken op een rij. Tudor Mendel met Mouta Septaoui. Met een lage voorzet. Het was Tudor. Dit is Diallo. Vooral Nissen, want de bal komt niet tot bij Diallo. De korte trappen, de korte. Het wordt een hoekschop. Het wordt Tudor. Bahouf kan koppen in de handen van De Batty. Lumba. Nissen zet zich door. Mouly knalt hem naast. Al beter op Vergeijlen. En is het nu wel afgelopen. Letelier maakt een einde aan deze wedstrijd. 1-1 is een logische puntendeling. En zijn vooral toch twee verloren punten voor de Futures.